Alors donc, vous êtes pressé de savoir qui a gagné, n'est-ce pas? J'enlève ça. Dis que tu schlingues. Il me dit qu'il te sent. Je sens. Alors, hop, je vous montre ça. Hop, donc là, il y a le petit fichier avec les dessins. Je vais vous faire un tour des dessins avant. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a et j'ai les résultats qui sont juste à côté. Donc ça, c'est le dessin de Aki Coria qui m'a fait un petit tote tout mignon, tout bien fait. C'est une reproduction. Voilà. Todd. Todd, c'est ce que j'ai dit, non? Non, t'as dit juste une reproduction. Ah, si, 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 je l'ai dit. J'ai dit, je Tu l'as croyais pas avoir encore. mal prononcé, mais non, j'ai bien prononcé, je l'ai dit. C'est juste toi qui n'as pas entendu. Donc, je suis avec Alcor qui vient de finir la notation avec moi. Alors, ça, c'était un premier dessin qu'elle m'avait fait, mais qui n'a pas participé au concours. C'était son dessin Minecraft. Que je vais skip, sinon elle va m'en vouloir d'avoir tout montré et tout. Ça, c'est le dessin de Fellow, qui est un boss du jeu Fury. Jeu français, il m'a bien donné envie d'y jouer, en tout cas quand il m'a expliqué d'où venait son dessin. Très bon jeu. Et très bon jeu, d'accord. Ben, alors ça me donne encore plus envie d'essayer. Et ben bah oui, Cocorico en plus, donc faut tester, faut voir les Co-Co en plus, développeurs. c'est vrai que c'est un jeu français, voilà. Voilà, très très sympathique. Hop, bon, ça, voilà. Guillaume, es-tu là? Non, il n'est pas là, je pense. Non, on l'a entendu depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le dessin de mon petit frère. C'est censé, je pense que c'est son sorcier sur Diablo. Voilà. Oui, il a une baguette, oui. Mais il a une belle guide magique et il a tué des monstres et il y a des sous par terre. Celui-là, c'est... Voilà, je regardais juste le nom, c'est Kadhafi 01 qui m'a fait ça. Sur le thème, son jeu, c'était War of Tanks, avec un petit clin d'œil en haut, n'est-ce pas? Précieux, exactement. Oh, c'est beau. Tu as vu le talent artistique. Voilà, avec War of Tanks, un bel obus, là, c'est super. Moi, franchement, si j'avais dû choisir, heureusement qu'il y a les notations et qu'il y a d'autres personnes du jury avec moi parce que j'ai eu du mal à me décider. Je les aime tous beaucoup, 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 beaucoup. Le petit Zach qui a fait celui-là, un hibou qui n'a pas de jeu malheureusement, donc il perd des points sur. Je vais vous montrer ça, le barème au niveau. Ben, je vous montrerai le barème après. On va rester sur le défilement des dessins. Il y a un jeu que je m'attendais à trouver, que Illuminati. j'ai pas trouvé. Quel jeu que tu t'attendais à voir et qui n'est pas apparu? Ben, oh, Ouais, y a pas le je m'attendais à chat. trouver d'abord parce que c'est un jeu pour les gros geeks qui est bien, bien connu, qui est très facile à dessiner, c'est Isaac. Isaac, je connais pas. Ouais. Ah non, Donc c'est Isaac, d'accord. Isaac, Ouais. d'accord. Isaac, Ouais, si tu préfères. d'accord, ouais. Isaac, j'avais pas. Isaac, j'ai. D'accord, ouais, oui. Ouais, ben non, pas du Ben, je tout. m'attendais à trouver ça. Celui-là, c'est Noam. C'est son perso sur Minecraft, il me semble, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais, tout à fait, pigeon. C'est tout à fait compréhensible. De quoi donc? Très bien. Base, ils ont dit Earth de ta Freux. Voilà. Et je n'irai pas la suite, c'est trop long. Ce dessin m'a Bah donné voilà. des frissons, il est waouh. Lequel? Celui-ci? Ensuite, nous avons le jean de pigeon qui ne participe pas au concours, mais qui est très bien fait également. J'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si tu l'as continué, je suis intéressée. The Blending of Isaac. Ouais, j'en avais entendu parler, d'ailleurs je pense que je vais me l'acheter pour y jouer. Et donc le dessin qui participe au concours, toujours de pigeon. Le écho. Il est trop beau.
Ensuite, le Kha'Zix de Shaizo, qui nous a bien fait rigoler et qui est le coup de cœur de Reiko, de mon chéri. Parce qu'elle l'a trouvé trop mignon. Je ne sais pas comment il s'appelle dans Phoenix Wright. Et c'est Wissila qui me l'a fait. Celui-là. Très sympa. Très très sympa. Si quelqu'un sait comment s'appelle ce perso, je ne sais pas. Parce que là, je sèche. C'est là, je pense que tu dois savoir. Dictective. Ah d'accord, oui. Le jeu de mots. Très bien, très bien. Et donc ça, c'est Woofle qui l'a fait avec c'est sur Minecraft et dans un fond très coloré, très pétant, mais c'est sympathique. Franchement, moi je les aime tous. Déjà parce que vous m'en avez fait, et puis parce qu'ils sont bien réalisés pour la plupart. Vous avez essayé, même si c'était pas votre dada. J'ai pas celui que tu m'as fait, Slash. Je vais quand même le montrer, même si. Enfin, si tu m'autorises à le montrer, dis-moi pendant que je le cherche. Je l'ai pas. En fait, je l'ai pas téléchargé. Comme tu m'avais dit. Comme on en a parlé tout à l'heure, je ne t'ai pas compté dans les participants, donc il n'y a pas de notes, mais je l'ai ici et il est très sympa. Hop, je vous le mets ici. Voilà le dessin de Célage. Qui est super avec les ombrages et tout. Non, franchement, il y a une bonne qualité de dessin. Je suis super contente. En tout cas, vous m'ayez tous envoyé des dessins vraiment tous plus sympathiques les uns que les autres. Même si vous n'êtes pas des pros, même si c'est peut-être la première fois que vous essayez au dessin ou quoi, ou qu'est-ce. Et ben moi, ça m'a fait super plaisir à chaque fois que j'en recevais un. Hein. J'étais contente de découvrir quelle idée vous aviez eue, qu'est-ce que vous aviez eu envie d'essayer pour le concours. Et c'est super sympa. Alors, je vais vous montrer le barème. Voilà, ça c'est le petit barème que j'ai fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en très grand. Ouais, non, on n'y voit pas mieux, très bien. Bon. Je voulais qu'on voyait les dessins mieux, mais il aurait fallu que je me fasse une mosaïque, ça aurait été sympa. Donc le barème, la première réaction, en gros, c'était le ressenti à la première vue, si on a rigolé, si on a pleuré, si on a trouvé ça burk. Enfin voilà, la première réaction, quoi, le premier à première vue. Ensuite, la maîtrise de la technique, bah, ça parle de soi-même. Est-ce que c'était une reproduction de qualité? Est-ce que c'était quelque chose d'original et est-ce que c'était bien fait? Est-ce que c'était... Voilà. Ensuite, la prise de risque. Ça, c'est si on avait l'impression... Enfin, c'est assez personnel, en fait. C'est si la personne qui note avait l'impression qu'il y avait du risque dans ce qui avait été fait ou pas. Si on avait l'impression que la personne avait essayé de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire ou pas. Les détails et finitions, et le respect du thème, qui quasiment tout le monde a eu 5 sur 5, sauf ceux qui sortaient du thème, comme le petit Zach, qui du coup a perdu des points là-dessus, puisque son hibou malheureusement ne fait partie d'aucun jeu. Je le trouve très mignon son hibou. Voilà, donc ça c'était le barème. Salut Jean Bombeur. Hop. Et donc, voilà, notre vainqueur. Et donc voilà, je les ai classés par ordre. Je vous ai pas mis les notes parce que ça n'a pas réellement d'intérêt. C'est des notes sur 300, ça vous indiquera que dalle, parce que je me suis pas amusée à faire de moyenne. J'ai juste pris toutes les notes que tout le monde avait données pour les personnes, et puis voilà. Le total est sur 300.
Donc c'est ridicule. Mais voilà le classement. Et GG Pigeon. GG à toi. T'étais au coude à coude avec Fellow, il me semble. Non, il y a quand même pas mal de points. Il y a plus de 10 points d'écart. Bon, sur 300. Je vais ranger mes rillettes. Yeah. Les barèmes. Voilà, GG à toi, Pigeon. Et donc, pour le petit, on va quand même faire le deuxième vainqueur. Je vais prendre donc tous les autres noms. On va faire comme ça. Hop. On va pas s'embêter. Voilà, normalement ça va marcher, j'espère. C'est une liste, hein, d'accord? Et donc le deuxième vainqueur, c'est Woofle. Woofle, Woofle, je ne sais jamais en fait. Coucou Chapoki. Donc voilà, on a nos deux vainqueurs. Où est-il Woofle? Hop. Moi, je m'enregistre ça comme ça. En vrai, tu t'attendais pas à gagner. Et moi, j'ai gardé le secret parce que ça fait un moment que t'es premier sur la liste. Et j'ai gardé le secret assez longtemps, si tu veux. Parce que ça fait un moment que t'es au coude à coude avec Fellow, si tu veux. Fellow et toi, donc Fellow, c'est ce dessin-là. C'est pas comme ça, c'est comme ça que je vais faire. Hop, on va le mettre... S'il veut bien se mettre, voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc ces deux dessins étaient au coude à coude pour la première place. Vous étiez vraiment pas loin. Et sur les trois dernières personnes qui ont voté, l'écart s'est agrandi et Fellow est passé bien en dessous de toi. Bien en dessous de toi. Il est passé à sur 300 points. Donc ça, c'est voilà, c'est beaucoup. Il y a 10 personnes du jury, il y a 10 personnes qui ont choisi, enfin qui ont fait les notes pour ce concours. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont fait, qui ont mis des notes, qui ont accepté de m'aider à donner un vainqueur à ce concours. C'est super sympa d'avoir pris un petit peu de votre temps pour ça. Et donc, Pigeon, tu gagnes avec 247 points sur 300 et Fellow. Et derrière toi avec 234 points. Voilà. Il y a moyen de voir le dessin de pigeon. Oui, il est là. C'est celui-là. Hop, le dessin de pigeon. Que je mettrai sur le live pendant un petit moment, si tu me le permets, pigeon. Partie de LOL maintenant, exactement. Non, je vais perdre et tout. Et oui, et oui, et oui, et oui. Bon, moi j'attends quand même parce que je te l'ai dit, je te le répète et je te le répète. Et ça t'a fait perdre des points sur plusieurs personnes parce que t'aurais pu gagner avec encore plus haut la main, quoi. T'aurais pu gagner encore plus haut la main. C'est quand même, Echo est un personnage qui a la peau mate. Et moi j'aurais bien aimé que tu mettes des ombrages supplémentaires sur sa peau. Que tu nous fasses quelque chose de plus ombragé au niveau de la peau. Alors maintenant que le concours est fini, que tu ne peux plus pourrir ton dessin pour le concours, est-ce que tu veux bien essayer pour moi, pour me faire plaisir? Il est déterminé pour faire une partie de LOL. Bon, je vais lancer LOL. Hop.